Et bonjour à tous, c'est David, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, ce ne sera pas une série, mais plutôt un fil conducteur, on va dire, de ma chaîne. Je m'explique. Je donne souvent cette réponse dans les commentaires. Des malfaçons, j'en vois tous les jours, sans exception. Et en retour, j'ai comme réponse, Lumi, tu déconnes. Lumi, t'es sérieux? Tu vois des malfaçons tous les jours? Ben oui, on vit dans une société où les gens ont besoin d'images. Nous, par exemple, artisans, nos propos, nos valeurs ne suffisent plus. C'est bête à dire, hein. On a besoin de montrer par l'image, à vous, aux gens ordinaires qui font appel à nous, ces malfaçons. Si on vous les explique, les gens se disent, oui, peut-être, ou est-ce qu'il essaie pas de vendre sa cam, etc. Donc, m'est venue cette idée de ce fil conducteur. Je vais vous montrer les malfaçons que j'ai filmés sur des chantiers réels. C'est-à-dire, ce n'est pas inventé, ce n'est pas... J'ai pas été les chercher je ne sais où sur Internet. C'est les chantiers près de chez moi. Le but n'est pas de critiquer, de dénoncer. C'est pas aller filmer des malfaçons et dire, regardez comment il travaille lui. Non, non. Moi, je préfère filmer ces malfaçons et vous donner les solutions. Vous donner les règles de l'art. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas. Et vous aurez l'information. Ce fil conducteur, j'ai décidé de l'appeler à ne pas faire. Je trouve ça plutôt sympa. Allez, c'est parti. Premier à ne pas faire, les joints de dilatation sur un mur de clôture. Voilà ici les règles de l'art. Je m'explique. J'ai pris l'exemple d'une maison, d'un existant. Et on va devoir réaliser un mur de clôture. J'ai pris une longueur de 12 mètres. Très simple. Et j'ai pris une hauteur de 1,20 m à 1,50 m, ce qui est le plus courant en mur de clôture. Cette hauteur, c'est une hauteur finie. De quoi est composé un mur de clôture d'ordinaire? D'une fondation, d'un mur, réalisé dans une grande majorité des cas en parpaing creux, d'une arase béton, et d'une finition sur le haut du mur. Là aussi, pareil, il en existe plusieurs. Des chapeaux de muret, des couvertines, ou rien du tout. Tout simplement, une forme qu'on peut donner à notre arase, c'est-à-dire un arrondi, par exemple, qu'on viendra enduire. Il faut savoir, quand vous dépassez les 6 mètres pour un mur de clôture, 6 mètres, pour moi, c'est le grand max. Au-delà, on prend des risques de fissuration, sauf cas exceptionnel. Mais je ne rentrerai pas dans les cas exceptionnels. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer la réalisation d'un joint de dilatation réalisé dans les règles de l'art. Je sais qu'un mur, dès qu'il dépasse 6 mètres, c'est joint de dilatation. Donc là, j'ai 12 mètres. 6 mètres, bon, je me suis facilité la tâche, je ne vous le cache pas. Je vais réaliser dans ce mur un joint de dilatation. Ce joint de dilatation, il commence au niveau haut des fondations, c'est-à-dire le bas de mon mur, et vient se prolonger jusqu'à la finition du haut du mur. Ce joint de dilatation dans le mur en lui-même doit représenter un minimum de 1 cm. En revanche, le joint de dilatation qui sera contre l'existant ou la maison dépendra de votre zone de sismicité. Je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite pour Mathieu Lavide sur la dalle portée. J'explique ces zones de sismicité et je donne un lien vers des cartes. Alors, point important sur ces joints de dilatation, on va rentrer en détail. Un joint de dilatation dans une structure, c'est-à-dire ici un mur de clôture, doit être vide. Ok, c'est un vide. Point important sur ce joint de dilatation entre le mur et la maison. Voyez, on va couler des fondations, on va se retrouver avec les fondations de la maison et les fondations du mur. On ne met pas de polystyrène. On utilise un carton alvéolaire qui sera dégradable. Là aussi, pareil, le but, c'est d'avoir un vide entre les deux fondations pour qu'elles puissent travailler, se poser. Si vous utilisez du polystyrène, il faudra l'enlever. Ensuite, pareil, entre la maison et le mur, donc moi, je suis sur peau, je vais laisser un joint de dilatation de 4 cm. Et je vais même vous dire, moi, je vais laisser 6 cm sur peau. Pourquoi? Je vais enduire mon mur ici. On est d'accord, il va être enduit sur cette face, recto, verso, et sur la face recto. Mais le problème, le long du mur ici, ça ne sera pas enduit, on est d'accord. Mais il faut protéger cette partie, car on risque des infiltrations, et quand il va geler, ça va nous cloquer l'enduit. Et ça, c'est pas bon. Je vais réaliser un petit enduit de 2 cm, et je me retrouverai avec un joint de 4 cm. Les cas qu'on a vus sur les vidéos. Alors, on a retrouvé par exemple un enduit continu qui était marqué au fer à joint. C'est à ne pas faire.
on utilise une baguette de finition adaptée. Pourquoi ? On va avoir un risque de fissure dans ce joint, malgré qu'il a été creusé au fer à joint. Les deux murs sont faits pour dilater, pour travailler. Donc si vous réalisez un enduit continu, il va fissurer. Et le problème, c'est qu'on va avoir des infiltrations et qui vont nous éclater l'enduit au fil du temps. Donc ça ne pas faire. On utilise une baguette de dilatation. Vous n'avez qu'à chercher sur Internet, vous verrez les fabricants de baguettes débordent d'imagination. Ils font maintenant des choses esthétiques qui sont vraiment superbes. Donc, jamais d'enduit continu. On utilise une baguette adaptée de dilatation. Ensuite, une autre erreur qu'on retrouve fréquemment, c'est celui du joint de dilatation qui commence des fondations, qui va jusqu'en haut du mur et de la rase, superbe. En revanche, les chapeaux, par exemple, des chapeaux de muret en briques, en béton, sont continus, à ne pas faire. Un joint de dilatation, je le répète, commence des fondations et va jusqu'au haut de la finition. C'est-à-dire, si vous mettez des chapeaux de muret, il faut que ces chapeaux aient une dilatation pile poil sur la dilatation du mur, ce qui est logique. Vous n'allez pas faire la dilatation ici. Si vous ne faites pas ça, vous faites un chapeau continu, vous risquez soit une fissure dans le chapeau et l'appareil des infiltrations dans le mur, soit carrément ce chapeau va se décoller. Et on retourne sur le même principe des infiltrations. Donc c'est à ne pas faire. Ensuite, une erreur. Alors ça, c'est l'erreur la plus involontaire. Et c'est dommage. Vous voyez, des fois, c'est des malfaçons qui sont involontaires. Qui ne sont même pas faits exprès, quoi. Parce que les gens n'ont pas l'information. Ils ne savent pas. Un joint de dilatation, c'est un vide. Quand vous maçonnez avec du mortier, chaque rangée, il y a souvent du mortier qui dégueule dans le joint de dilatation. Ça va créer ce qu'on appelle un point de compression. Ça ne pas faire aussi. Il faut le nettoyer à la truelle. C'est très simple. Ça ne coûte pas plus cher. Ça ne vous fait pas perdre de temps. Par contre, les conséquences, si vous laissez ce mortier, peuvent être désastreuses pour votre mur. Et un dernier petit point que je n'avais pas évoqué et que je n'ai pas dessiné, c'est pareil. Vous voyez, on a nos murs qui sont maçonnés avec nos parpaings et on a la rase qui est continue. Ça ne pas faire. C'est logique. Vous faites un joint de dilatation. Vous voyez, il faut que l'ensemble de nos différents petits murs qui composent le grand mur en général, puissent dilater. Si vous venez réaliser une rase continue, elle va fissurer comme on a vu sur la vidéo. Pour les chapeaux de muret, il y a un exemple qu'on voit sur la vidéo, c'est maintenant, ça revient très à la mode, notamment, ça revient à la mode, alors c'est à la mode, notamment sur les maisons contemporaines, c'est les couvertines en aluminium continue. Ces couvertines n'ont pas besoin de dilatation. Tout simplement, quand on vient les poser sur notre mur, on a d'abord des taquets à venir fixer sur la rase. Ensuite, on vient clipser notre couvertine et elle peut dilater elle. Voilà. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Même si vous avez des idées ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je le ferai avec plaisir. Bye bye, à un prochain à ne pas faire.